Bonjour, ici Dan Bollander. J'ai testé l'encouragement à la délation par le Vatican. Bonjour, vous étiez à la messe ? Oui. Ah d'accord, parce que je fais partie de la commission de délation auprès de l'archevêché de Paris. Délation ? Oui. C'est un mot affreux, ça. Bah oui, mais c'est le pape qui a mis ça au point, vous savez. Donc, est-ce que vous avez des voisins qui n'ont pas bien récité la messe, par exemple ? Franchement, je n'ai rien remarqué de d'accord. cette sorte. Mais il y a des gens qui sont distraits. Qui a été distrait, alors ? Qui ? Mais comme je ne connais pas les noms. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon prêtre ? Mais oui, je crois. Est-ce qu'il a distribué des hosties à la fin ? Dans la bouche, une hostie entière a... ou oui. la moitié d'une hostie ? Une hostie entière. Entière. Oui. C'est embêtant, moi, ça. Si ça les une hostie à entière, c'est embêtant. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on demande aux prêtres d'économiser ? De quoi ? Non, écoutez, je rêve. Si jamais la semaine prochaine, vous remarquez quelqu'un qui s'endormait pendant la messe, quelqu'un qui ne chante pas, ou quelqu'un qui chante trop fort, vous voyez, dites-le nous, surtout. Moi, j'ai vu un prêtre qui priait, qui était là, des femmes qui parlaient fort. Vous avez vu des femmes qui parlaient fort ? Qui parlaient très, très fort. D'accord, vous avez le nom de ces trois femmes. Non, vous voulez, il y aura de plus en plus de délateurs, Pendant les messes. Des délateurs qui soient là en train de surveiller. Voilà. Exactement. Donc, si vous voyez des gens qui n'ont pas un comportement très chrétien, vous n'hésitez pas à envoyer ce questionnaire de délation. C'est important de dénoncer tout ce qui ne va pas. Oui, parce que ça dérange. Bonjour, mon père. Ah, bonjour, mon fils. Nous faisons partie de la commission de délation auprès de l'archevêché de Paris. Ouais. Nous sommes là, en fait, pour éviter les abus liturgiques. Si vous voulez, il y a certains fidèles qui ne se comportent pas bien. Et là, sacré, vous êtes saint. Alors, justement, est-ce que, dernièrement, vous avez remarqué certaines choses pas très catholiques, entre guillemets ? La jeune qui est là, assise, là. Vous avez remarqué une jeune qui est assise, là ? Où ça ? Où ça ? Et ici, là. Derrière moi ? Oui, derrière vous, là. Eh ben, hier soir, elle vient, elle a pris l'hostie, oui. Elle a craché l'hostie. Est-ce que vous connaissez des gens dans l'église qui ne prient pas bien, voyez ? J'en connais plusieurs. Vous en connaissez ? Non. Vous avez les noms de ces personnes ? Les noms, non. C'est complètement anonyme, hein, je vous rassure. Oui, oui. Je vous dirai son prénom, Marcel. Elle vient souvent ici ? Oui, oui. D'accord, on viendra surveiller ça. Bon, alors donc, je vais vous laisser une feuille de délation. D'accord, oui. Pour les prochaines messes, vous regardez bien tout ce qui se passe et vous n'hésitez pas de noter sur cette feuille le nom de toutes les personnes, qui se comportent pas bien pendant la messe. Hein. D'accord, oui. D'accord, et vous mettez ça dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe, oui, oui. Vous pouvez directement envoyer à l'archevêché catholique de Paris. Ouais, voyez. Ouais. Voilà. Il y aura de plus en plus de délateurs, ouais, comme vous, si vous voulez, pour le bien de l'Église. Ben, espérons-le.